Yes, boss. Yes, boss, studio one. Police in helicopter. Listening to studio one. Soldiers in the cars. Listening to studio one. Policemen in the streets. Listening to studio one. They love studio one. Yes, they really love studio one. Yes. Allez, toujours en direct du Sunska Festival et toujours bien connecté sur la web radio de reggae.fr. L'ami Ange, si tu pouvais simplement nous remonter un petit peu les retours, histoire qu'on s'entende vraiment bien mieux, parce que là, on s'entend difficilement. Bien connecté, merci Ange. Bien connecté donc sur la web radio de reggae.fr et on va passer à quelque chose de différent. Sauce sérieux, c'est Monsieur Black Ayo qui vient défendre l'album. Yes. Bonsoir Black Ayo. Ah. Peut-être qu'il n'est pas allumé. Attends, je vais regarder s'il est. Non, s'il est allumé. Ange. Yes. Voilà. Yes. Bonsoir, comment vas-tu Black Ayo? Bonsoir tout le monde, bonsoir pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bon, on est content de te recevoir. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour les apéros reggae.fr. Yes. Où tu venais défendre déjà l'album, je crois, à cette époque-là. Ouais, c'est exactement ça. Et à cette époque-là, je ne savais pas trop si. Et aujourd'hui, je vais régler Sunskas. Pour moi, c'est un grand rêve qui se réalise. Alors, content justement de jouer ici au Reggae Sunska? Ah, ouais, c'est un gros émotion pour moi de voir la foule, la masse qui est venue représenter. Et quand je vois des gens qui sont tout même au sol là, c'est une grande émotion pour moi, que c'est un grand rêve qui se réalise pour moi dans cette grosse festival. Parce que là, les gens étaient conquis, hein. Les gens dansaient, les gens étaient heureux, les gens découvraient Black Ayo pour certains. Certains connaissaient, d'autres, beaucoup ont découvert. Et apparemment, tu as mis tout le monde d'accord. J'espère beaucoup. Et pour moi, comme j'ai dit sur scène tout à l'heure, ce n'est que le commencement. C'est sûr. Alors, c'est toi qui es le manager, c'est ça? Non, c'est Stéphane Résonant de Jurassic Box, mais je travaille aussi pour le label et je représente l'artiste Black Ayo. D'accord. Tu gères un petit peu tout ce qui est la communication Plus les aspects techniques, la scène. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un peu toi qui viens vérifier si les réglages sont bien finis. Régis tourner si tu veux. D'accord, ok. Ça fait, tu tournes depuis le début avec Black Ayo, toi aussi? Depuis pas très longtemps, mais ouais, deux ans, trois ans peut-être. Ouais. Ouais. Je l'accompagne. Alors, vous avez la particularité d'arriver d'un bel endroit magique dont tout le monde aimerait aller passer ses vacances une fois dans sa vie. C'est l'île Maurice. Quel bel endroit que l'île Maurice. C'est l'île Maurice, c'est mon patrie. Et en même temps, je vais tout mieux. Je représente les Sega Music, une musique qui se mélange du reggae et du Sega, la musique traditionnelle et le Maurice. Et ça, Sega Music s'est créé par l'homme fort qui s'appelle Kaya, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, paix en son âme. Et comme si moi, la nouvelle génération, je veux dire que j'ai pris le flambeau. Et en même temps, j'essaye de emmener la musique plus loin que possible pour conquérir le monde avec la musique Sega Music. On va voir où je vais. C'est pour ça que j'éduque beaucoup de jeunes pour enseigner les Sega Music pour que la musique Sega ne meure pas. Parce que c'est une jolie musique et c'est une musique rebelle aussi. Que je choisis parce que moi je suis en santé engagé dans ça au sérieux, c'est passion ça au sérieux. Et cette musique, et c'est la plus grande musique pour moi pour me véhiculer mes messages dessus. Et j'ai l'impression que tu as commencé à faire quelques émules un petit peu. Alors, il y a des talents émergents à l'île Maurice. On a rencontré il y a une semaine ou deux de ça un groupe qui s'appelle The Prophecy. Que vous devez connaître, qui sont de l'île Maurice aussi, si je ne dis pas de bêtises. De l'île Maurice, et ils font très bien en ce moment. Ils tournent beaucoup. Voilà, ils tournent beaucoup. On les a rencontrés et j'ai eu la chance de pouvoir leur poser la question, justement, s'ils te connaissaient. Et eux m'ont dit, mais toi, tu connais Black Ayo? Mais je fais, mais oui, je connais Black Ayo aussi. Parce que Black Ayo, on a eu la chance de l'interviewer déjà pour la promotion de l'album. Ils m'ont dit, mais en fait, pour nous, c'est un peu notre...
notre grand frère, quoi. C'est un petit peu grâce à lui si on a eu envie de s'exporter comme on s'exporte aujourd'hui. Et la preuve en est que tu vois, ils sont comme toi aujourd'hui en métropole pour venir défendre la musique de l'île Maurice, le Séguet. Complètement. Et d'ailleurs, le chanteur Mervin de Prophétie a participé sur l'album de ce Séguet. Donc, il y a un feat avec eux. Donc, c'est la famille. Et en même temps, c'est la nouvelle génération. Je fais tout mon mieux pour aider les jeunes qui commencent. Parce que moi, ça fait pour 30 ans que je suis là. Et il y a des gens qui m'ont mis sur beaucoup de scènes avant, qui m'ont enseigné c'est quoi le reggae, c'est quoi le ragamuffin. Mais maintenant, je fais ça moi aussi pour les jeunes qui commencent. Polo. Et justement, bonjour, bonsoir du coup. Bonsoir. Yes. C'est beau de voir ça justement, ce genre dont vous êtes un peu précurseur en fait finalement. Le Séguet, ça ne s'exportait pas du tout avant. Et de voir le genre tourner, puis la relève arriver avec une nouvelle transmission de flambeau, avec The Prophecy notamment. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme espoir peut-être sur le rayonnement international du genre? Parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est de transmettre la culture. Pour moi là c'est plus il y a une porte qui vient de s'ouvrir et je suis dans un gros festival et aujourd'hui là 2022 et moi j'espère beaucoup des grosses collaborations on va faire le Séguet devient international et c'est le plus grand but encore parce que la musique pour moi c'est un grand partage. C'est universel. Et ça nous tient vraiment à cœur, comme tu dis, de porter haut les couleurs de notre patrie et du Séguet. On a personne de Black Ayo. Donc, ouais, effectivement, on veut vraiment l'afficher le plus possible sur les scènes internationales. Et puis avec cette particularité rythmique, c'est que c'est le Séguet, c'est avec un rythme à trois temps. Donc, ouais, c'est... Et du coup, c'est quelque chose qui se marie extrêmement bien avec le reggae. On est tous un petit peu étonnés pendant le show. On découvre un peu le truc et il y a quelque chose qui marche vraiment bien. Je sais pas comment vous voyez les gens réagir là particulièrement ce soir puisqu'on était au Sunska. Quelle a été la réaction dans le public? Moi, j'y ai été un petit peu. J'ai vu que c'était. Je crois pas qu'ils ont été complètement dépaysés parce que c'est tout. Aussi du reggae, donc du Séguet et du reggae. Qui te donne le Séguet, donc je crois pas qu'ils ont été dépaysés, mais je pense quand même qu'ils ont trouvé la chose assez particulière peut-être. En même temps, on appelle le temps 6-8, c'est Kaya qui a créé ça, et avec c'est une musique rebelle, et ça passe mieux dans le gros reggae festival, et en même temps il faut éduquer les gens, ceux qui connaissent pas. Mais je crois de l'avenir, il va savoir comment c'est pour ça que j'ai montré la danse tout à l'heure tout sur scène. Yes. C'était trop bien. Excellent. Et c'est vrai que du coup, enfin moi en tout cas, j'ai découvert avec The Prophecy, je connaissais pas du tout. Ça marche effectivement super bien. On est ravis. Est-ce que vous voyez une percée de ce mouvement international un petit peu partout dans des pays pas francophones? Comment ça se profile pour vous? Ben moi, je vois que le Séguet a une grosse avenir parce que déjà, je vais citer un nom quand j'ai écouté un gros album Costromae, là, il y a plein de 6-8 et de 3 temps dessus, ici en France même. Et dans plusieurs pays, les gens ont capté les rythmes des îles, quoi. Vraiment les rythmes des îles qu'on retrouve de plus en plus. Et enfin, c'est l'Afrique aussi. C'est l'Afrique aussi. Quand on écoute plein de musique africaine, il y a plein de 6-8, oui. Des 3 temps. Et la fusion des genres, du coup, qui fonctionne super bien. Yes, right. C'est les temps. Alors, tout comme hier, si vous avez des questions à poser éventuellement, n'hésitez pas à lever la main. La différence est qu'on ne va pas vous faire vous déplacer. Ce coup-là, on a récupéré un micro HF qui, lui, peut se déplacer partout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On vient vers vous et on vous offre un micro. Question une fois. Question deux fois. Tu veux... Bah non, parce que question trois fois, apparemment, les mains ne se lèveront pas. Donc, on va rester campé sur... Ça va, Non, mais en plus, tu as déjà fait pas mal de conférences, d'interviews individuelles depuis tout à l'heure. Faut dire la vérité. Oui, c'est le cinquième.
5e interview d'affilée, ça fait beaucoup. Donc bah oui, c'est vrai. Oui, mais on est content d'être là. Oui, mais c'est très bien en plus que Black Ayo soit demandé en interview justement pour que les gens puissent en découvrir un petit peu plus sur lui. En plus de découvrir ce qu'il a pu donner sur scène tout à l'heure avec le Ségué, au moins ils ont l'opportunité de lui poser des questions, de rentrer un petit peu plus dans les détails. Et c'est tant mieux, c'est mérité hein, de toute façon. Très plaisir en tout cas. Ouais. Général, on a une question dans l'audience. Il y a une question, et ben voilà, tu vois, on y arrive au bout d'un moment. Et ben du coup, on arrive avec le micro et tu vas voir, tu vas pouvoir parler dedans et te présenter. Il me connaît déjà en fait. Juste à quand une tournée en France? Ah. Ben après là, c'est une grosse surprise. Je vais rentrer au studio pour un nouveau album encore. Après cet album, grosse tournée 2023 en France, c'est sûr. Ah, excellent. Après, ça a été très compliqué pour nous après le Covid. Ce n'est que la deuxième fois qu'on quitte Maurice. Qu'on quitte Maurice pour jouer sur une scène. Voilà. Donc. Et oui, parce que le Covid a cassé les pattes un petit peu à tout le monde sur les tournées, sur les organisations. Vous avez dû avoir des annulations aussi. Ça énormément. Ça remet toute la machinerie. Voilà. Et niveau du processus de création, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez eu des idées différentes pendant cette période qui était un peu compliquée? Le fait d'être un petit peu sédentarisé de force, quoi, est-ce que ça change la manière de créer? Et avec le Covid-19, pour moi, c'était comme si une hibernation, comme on dit, pour écrire, parce que ça, 2 ans, j'ai resté à la maison pour concentrer plus à ce qui va arriver après. C'est un grand mal pour un bien. Oui, ça a permis de se concentrer, de se focus sur la composition, la création et tout. Et il n'y a pas eu de période de flottement, de période un petit peu de down moral ou quoi, non? Ben c'est vrai, parce que dans le business, c'était un peu calmé. Mais comment on dit à Maurice, même pas de traceurs, on est des traceurs, on essayait de voir, on a joué dans les premières communions, dans les baptêmes, et voilà. Dans l'anniversaire, avec 50 personnes, on a fait avec. Il faut s'adapter, et oui du coup ouais, vous vous êtes adapté à la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question subsidiaire, y a-t-il d'autres questions? Ne soyez pas timide, hein, vous voyez, il est pas méchant Black Ayo, hein, donc ils sont très gentils à l'île Maurice. Non, pas de questions. Ça va. Bon, ils sont trop timides. Ils sont plus timides que. Oui, non, mais on leur en veut pas. De toute façon, ils écoutent déjà, c'est bien. Et oui, c'est déjà une bonne chose. Donc prochaine date après le Sunska. Ben là, j'ai une petite tournée en Angleterre. Après, je vais rentrer à Maurice. Après, on va voir au Canada. Mm-hmm. Mais on concentre plus pour 2023. Ouais, d'accord. Pour la préparation du nouvel album, du coup, qu'on va guetter album. Avec attention, parce qu'on est fan de Black Ayo sur reggae.fr et Studio One. On en profite aussi pour remercier toute ta tribu de musiciens qui t'accompagnent sur scène. Excellent. Parce qu'ils font un gros travail avec toi, et sans eux, tu ne jouerais pas aussi bien du Ségué. Ouais, respect à tous mes musiciens. Et on a fait plein de répétitions. Et aujourd'hui, Black Ayo, il est avec l'équipe en live. Et ça, je dis un grand respect à Jaurès Box qui a et gros et soutenir cette tournée pour venir ici, c'est tout au Sanska. Gros respect à Soulby, à Fred. Et aujourd'hui, Black Ayo, je suis là, on est là avec l'équipe. Vous êtes là. C'est un grand plaisir. Big up. Reggae.fr. Merci en tout cas Black Ayo de nous avoir accordé un petit peu de temps ici même au Sunska Festival. C'était ta première pour toi. Je pense que tu as passé un excellent moment ici. Excellent moment, gros émotion. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri de te revoir les éditions prochaines, hein, avec pour venir défendre notamment le nouvel album. Bah écoutez, je pense qu'on peut faire un petit peu d'applaudissements pour Monsieur Black Ayo, s'il vous plaît. Blaise. Un grand merci à toi. On espère plein de bonnes choses pour toi pour toute la continuation. Et puis on n'est pas à l'abri de te recroiser sur les routes de reggae music. Bless, un grand merci, Black Ayo. Oui, c'est l'Ecta. On renvoie du son pour les auditeurs de reggae.fr. Et on se play the digital, we make the girls and free code. Gwango tell the world of them, we play the heavyweight rock. We get out the back, we because we they can't stop. Studio One, yeah, bless up.
Man a joke, me a make, and a cuss, me a cuss. Me no wanna entertain and take me too serious. Man a joke, me a make, and a cuss, me a